أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله دين أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعن الله قادريك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. Mes condoléances pour la période de Muharram al-Haram, le mois de Muharram sacré, où la guerre était interdite, même à l'époque des Jahilites, de Jahiliya, de l'ignorance, c'était interdit les guerres. Et c'est dans ce mois que ses ennemis de Ahlul Bayt alayhim salam ont assassiné d'une manière la plus horrible qui soit Abi Abdullah, l'imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, je vous parlais de la prise du pouvoir d'Omar, l'arnatullah alayhi, d'après les textes des Mukhalifin. Donc je vous parlerai un petit peu des premiers événements qui se sont passés. Donc tout de suite après le décès de Abu Bakr et l'Atiq, l'Arnatullah Ali, Omar ibn Sahak, il s'est dirigé vers la mosquée. Il traverse la grande salle, tenant à la main sa fameuse cravache, appelée Dira. Et il monte en chair et il lance de sa voix de stentor à la foule des musulmans massés devant lui. Je vais vous dire deux mots. Retenez-les bien parce que je n'aime pas me répéter. Les Arabes sont comme les chameaux qui doivent suivre leur maître. Puis devant sa cravache, il dit « Moi je jure par le Dieu de la Kaaba que je saurai vous mettre au pas. » Ça c'est dans Ibn Asir. Al-Kamal fit Tahrir. Donc c'est le livre d'histoire d'Ibn Asir. Tome 2, page 432. Tabari, volume 2, page 355. Tabaqat, donc Tabaqat ibn Sa'd, volume 7, page 127. Donc les gens se sont posé la question pourquoi il parle d'un ton menaçant, alors que Abu Bakr, malgré que c'était un usurpateur, il avait parlé très doucement quand il avait pris le pouvoir, 2 ans plus tôt. Il avait dit « J'ai été choisi parmi vous, mais je ne suis pas meilleur d'entre vous. » Omar, il ne fait même pas attention au fait que les gens sont choqués par ce qu'il vient de dire. Et après qu'il ait fait ce discours, la foule s'est dispersée. Il n'y a même pas eu de cérémonie d'allégeance comme que ça a été le cas pour Abu Bakr. Omar, il n'avait pas besoin de cette prise de ce serment d'allégeance. Que les musulmans lui fassent ou non allégeance, il sera calife, bien sûr entendu, calife usurpateur. Donc maintenant, il est devenu le maître après 2 ans d'attente. L'homme qui le freinait, Abu Bakr, il n'est plus. Et maintenant, c'est lui qui va décider seul. Et la première chose qu'il voudrait réaliser, c'est limoger Khalid ibn Walid, l'Arnatullah Ali. Et la destitution de Khalid ibn Walid, ça a été la première décision politique qu'il a pris dès les premières heures de son arrivée au pouvoir. Donc, quand il le destitue, il s'est dit il ne sera plus jamais chef des armées. Donc, il va envoyer une lettre lui signifiant sa destitution. Et durant tout le règne d'Abu Bakr, Omar, il a cessé toujours d'avoir un problème, des sentiments haineux envers Khalid ibn Walid. Entre autres, par rapport au meurtre de Malek ibn Mughira, mais surtout, il était jaloux des triomphes militaires. Surtout que certains l'appelaient le glaive dégainé d'Allah. On a bien vu que c'était en vérité le glaive, l'épée dégainée de Shaitan. Donc il a acquis une grande popularité. Concernant la destitution de Khalid ibn Walid, c'est indiqué
Le fait que Omar voulait faire cela, c'est indiqué dans Dahabi, volume 3, page 231 à 232, Ibn Asir, El-Kamel, volume 2, page 268, Ibn Kassir, El-Bidaya, donc Bidaya wa Nihaya, volume 7, page 23. Donc, il ne se préoccupe même pas Omar s'il voit son premier chose, c'est de régler un compte personnel dans son pouvoir. Il ne se préoccupe pas des gens de ce qu'ils vont penser. Donc, il s'empresse de rédiger une lettre qu'il adresse à Abu Obeida, qui lui se trouve en Syrie avec Khalid Walid. Il lui dit: Si Khalid passe aux aveux, écrit-il, et admet qu'il a commis une erreur en tuant Malek alors qu'il était musulman, je lui laisse le commandement des armées. S'il refuse d'avouer sa faute, alors c'est toi, Abu Obeida, qui deviens le général en chef. Et en plus de ça, il ne se contente pas de vouloir humilier Khalid Walid. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit: Je t'ordonne, il veut l'humilier et le déposséder. Je t'ordonne à Abu Obeida de le dépouiller de son turban et de lui confisquer la moitié de tout ce qu'il possède pour le verser au trésor public. Et il veut le dire, il dit qu'il prend ces mesures-là. Parce que Khalid Walid, c'est pas seulement un chef cruel, mais aussi un corrompu qui a pris trop de liberté dans le partage du butin et n'a pas hésité à graisser la patte de certains personnages controversés, comme El-Ashta ibn Qais, là, Allah alayh. Ça, c'est dans Dahabi, Seyyar Nubala, volume 3, page 232. Il l'accuse d'avoir utilisé cet argent pour entretenir une véritable cour formée notamment de grands seigneurs et de poètes chargés de composer des vers à la louange de ses exploits guerriers. Donc pour entretenir son orgueil et sa supériorité. Et Dahabi, toujours, Siyar Nubala, volume 3, page 233, Tabari, volume 2, page 355, Ibn Bakar, Jamarat al-Nasab al-Quraysh, volume 1, page 496 à 497. Donc quand la lettre elle arrive en Syrie à Khalid Walid, il demande l'avis de sa sœur Fatima. C'était une femme qui était très proche de lui, une bonne conseillère pour lui. Il dit: Tu sais comme moi, lui dit-elle, que Omar te déteste. Ne crois pas un mot de ce qu'il a écrit dans sa lettre. C'est un piège. Il veut juste te forcer à avouer, il te limogera et de toute façon. Et si tu passes aux aveux, il te fera exécuter, sois-en sûr. Khalid Moualid embrasse le front de sa sœur et la remercie de son conseil. Tu as entièrement raison, lui dit-il, et s'adresse à Abu Beïda, dit à Omar que j'ai refusé de reconnaître la moindre faute. Donc Abu Obeida, il lui dit: Je me vois alors dans l'obligation d'exécuter les ordres du calife, tu as démis de tes fonctions, c'est moi qui prends dorénavant le commandement de l'armée, je vais aussi te prendre la moitié de tes biens. Soit, fais ce qu'il dit. Donc, en vérité, il est pas. C'est quelqu'un quand même qui, face à certaines personnes, il a été courageux, il n'a pas peur de Omar. Dans les batailles, il a vécu des situations beaucoup plus atroces. Mais il éprouve quand même une sorte de dégoût. Surtout quand il se voit de forcer à remettre Abu Beïda, donc la moitié de ce qu'il a, entre autres la moitié de sa paire de sandales et de ne garder qu'un seul soulier. Donc là, c'est une manière de se moquer de Omar de faire cela. Puisque le pseudo-calife a dit la moitié des biens, donc les ordres sont les ordres. Ibn Asakir, Tariq Dimashq. Volume 16, page 268. Ibn Kassir, Bidaya, volume 7, page 123. Donc après envoyer la lettre de destitution de Khalid Moualid, Omar, il s'installe à la mosquée. Il s'installe à la mosquée et il pense au titre qu'il va s'attribuer. Calife, ce n'est pas assez pour lui. Cela leur envoie un statut subalterne de suppléant, de lieutenant. Il veut un titre qui exhibe une autorité propre, non dérivée, un titre qui a une connaissance impériale. Lui vient à l'esprit le titre d'Amir al-Mu'minin, donc émir des croyants. Le titre lui plaît beaucoup. Je serai l'émir, se dit-il, le prince, le commandeur. Et il est heureux de cela. Alors qu'Amir al-Mu'minin, c'est un titre qui est attribué uniquement à l'imam Ali alayhi salam. Même les imams alayhi salam, qui sont en vérité des Amir al-Mu'minin, des émirs des croyants, ils ont refusé cela. Et il y a même des hadiths qui disent que celui qui prend le titre de Amir al-Mu'minin à la place de l'imam Ali, c'est un homosexuel. Donc vous trouvez la conclusion de qui est Omar réellement.
Et là, à ce moment, et à un moment de, là, à un moment donné, là, pendant qu'il est en train de savourer le fait qu'il s'est donné le titre de émir des croyants, il entend un bruit, des cris, des lamentations venant de la maison de Aïcha, la Ayatollah Aléha, où les femmes se sont réunies pour pleurer Abou Bakr, enterré la veille. Omar y trouve ce tumulte insupportable. Donc ces femmes lui gâchent son moment de grande joie. Irrité, il se dirige rapidement vers la maison d'Aïcha, il se pose devant la porte et se met à hurler. Cessez vos cris immédiatement. Derrière la porte, Aïcha entend la protestation tonitruante de Omar. Elle s'en moque. Les femmes de la maisonnée du prophète ont l'habitude de ces interventions déplaisantes qu'elles traitent souvent par l'indifférence, voire le mépris. Au lieu du silence, il entend les cris et les pleurs qui repartent de plus belle. Omar, il est fou de rage. Quoi, le commandeur des croyants n'est même pas capable d'imposer le silence à ses femmes. Donc il convoque Hichem ibn Walid, le frère de Khalid ibn Walid, le jeune frère, et lui demande d'entrer dans la maison d'Aïcha pour en faire sortir Farwa, la sœur d'Abou Bakr. Aïcha, qui a tout entendu, se pose sur le seuil de la porte, enfoncée et furieuse, elle crie: Ibn al-Khattab, je t'interdis de mettre les pieds dans ma maison. Omar a déjà vécu une scène similaire quand 2 ans plus tôt, il s'était rendu avec un groupe de compagnons attaquer la maison de Fatima alayhi salam, la fille du prophète. Elle s'était dressée contre lui, les cheveux découverts. Comment oses-tu, Omar? Tu oublies qui je suis et qui est mon père. Puisqu'il est connu que Omar, l'arnatullah alayh, il est connu qu'il est rentré, il n'avait pas de khaymah, il n'avait pas de protection. C'est l'Ankitab Qaysi Lilali. Donc Aïcha, elle est devant sa maison, elle est derrière sa porte. Et donc lui, comme il avait ignoré Fatima Zahra, alayhi salam, il ignore la fille de Abou Bakr, alayhi. Donc il ne lui parle même pas et commande à Hichem le Moualid, qui n'est pas encore qu'un adolescent: vas-y, entre, je t'y autorise. Fais sortir immédiatement Farwa. Hichem s'exécute, il saisit la tante paternelle de Aïcha par le bras et la ramène devant Omar. Tu es sourde ou quoi? Crie-t-il. Je vous ai demandé de vous taire et je t'entends pleurer et crier à tue-tête. Farwa n'a même pas le temps de répondre que Omar lui assène plusieurs coups de cravache. Effrayées, les autres femmes sortent de la maison de Aïcha et se dispersent rapidement. Baladori, El-Ansab, El-Ashraf, volume 10, page 95. Ibn Asir, El-Kamel, volume 2, page 263. Ibn Hajar, El-Isaba, volume 6, page 427. Mutaqi, Kenz el-Rommal, volume 15, page 737. Suyuti, Jamari al-Ahadith, volume 28, page 348. Tabaqat, volume 3, page 208. Donc là, il est satisfait et c'est ses premiers moments de gouvernance. Il a réussi à faire taire ses femmes, il est tout à fait fier de cela. Et ce chien avait déjà précédemment, malgré que les chiens sont rien, c'est une insulte envers les chiens, avait fait la même chose avec notre maîtresse Fatima Zahra, alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima, sur Fatima: oh Fatima, en vérité, si tu es en colère, Allah est aussi en colère. Si tu es contente, Allah est aussi content. C'est dans les sources des Mukhalifin, Moustadrak, volume 7, page 154, Sawair el-Mukhlaqa, page 105. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je désire tout ce qu'elle désire et tout ce qui lui a fait mal me fait mal. Mousnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 332, Tafsir ibn Kassir, volume 3, page 257. Omar, par rapport à la prise de pouvoir d'Abou Bakr, il lui a dit: qu'est-ce qui empêche de convoquer Ali, de le forcer à se soumettre à ton califat? Envoie Qunfuz, l'arnatullah alayh, parce qu'il est vilain et brutal, envoie-le avec un groupe de gens qui vont l'aider. Kitab Sunan Qaysi Lilali, page 82-83. Qunfuz se rendit chez Ali, alayhi salam, et demanda à Fatima une première fois, puis une seconde fois, la permission d'entrer dans la maison. Regardez la même attitude qu'il a eue pour Aïcha. Sauf que, bien sûr, ça ne se compare même pas. Fatima Zahra, la reine des femmes du monde, la pure. La houri humaine, meilleure des houris, de toutes les houris sur cette terre. Et toutes les fois, Fatima, alayhi salam, lui refusa la permission, lui dit: en aucune circonstance, je ne t'autorise à rentrer dans ma maison sans ma permission. Khonfou s'en alla et informa Abou Bakr et Omar de ce refus catégorique de Fatima, alayhi salam.
Lorsque Omar prit connaissance de cette réponse de Fatima alayhi salam, il devint très furieux et dit: Pourquoi cette femme interfère et s'immisce dans notre affaire? Kitab Qasid al-Ali, page 82-83. Hyper surexcité et agité, il dit à Khalid et Kounfou de rassembler du bois et du feu. Donc les meneurs de cette foule, à l'époque, pour attaquer la maison de Fatima Zahra, c'était Omar, Khalid ibn Walid, Qunfuz, Abdurrahman ibn Aouf, Abu Ubaida al-Jarrah. Et selon Shir al-Mufid, Abu Bakr lui-même faisait partie de ces meneurs. El-Ramali de al-Mufid, page 49 à 50. La foule rassembla du bois et du feu, mais selon... Mais selon des historiens bakri, c'est Omar lui-même qui tenait fermement dans sa main une corde ou un morceau de bois. Une corde déjà allumée de feu. Donc une torche, on peut dire. Omar criait: Si ces gens ne sortent pas dehors pour faire leur beïra, leur allégeance, je mettrai le feu à leur maison. Mais la foule lui dit: Fatima, et aussi dans cette maison, vas-tu aussi brûler avec la brûler avec cette maison? Il répondit: J'affronterai Fatima. La foule s'approchait encore un peu plus de la maison de Ali, alayhi salam. Ils avaient la ferme intention de brûler la maison avec toutes les personnes dedans. Fatima, alayhi salam, se trouvait derrière la porte. Il y avait un bandage, un pansement sur sa tête. Il était évident qu'elle était devenue très faible du fait du chagrin insupportable de la perte de son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Kitab Sanan Qaisi Lilali, page 250. Lorsqu'elle vit la foule s'approcher de trop près, elle ferma la porte de sa maison. Elle était assez confiante du fait que la foule n'oserait jamais pénétrer dans la maison sans sa permission. Omar hurla: Ô fils d'Abu Talib, ouvre la porte. Je jure par l'unique qui détient dans ses mains ma vie. Sors dehors et fais la beïra, ou sinon je mettrai le feu à cette maison. Fatima se mit juste derrière la porte et dit: Ô Omar, pourquoi tu ne t'en vas pas et ne nous laisse pas demeurer dans notre propre condition et situation? Omar lui cria: Ouvre la porte, ou sinon je la brûlerai. Kitab Sanan Qaisi Lilali, page 47, 73 et page 250. Fatima Zahra lui dit: Au fils de Khattab, supporteras-tu la vue de ma maison en feu? Omar dit oui. Omar, il dit qu'il fallait brûler Fatima Zahra, alayhi salam, vivante pour renforcer la foi, soi-disant islamique, le respect de la charia. Omar dit: Si ces gens restent dans ta maison, je vais brûler la porte devant toi. Fatima Zahra alayhi salam lui dit: Ô Omar, n'as-tu donc aucune crainte d'Allah dans ton cœur pour que tu veuilles pénétrer de force dans ma maison et m'assaillir? Omar y resta ferme à sa place et refusa de bouger de là. Et en réalité, il ne faut pas oublier que le véritable donneur d'ordre de tout cela, c'était Abou Bakr. Abou Bakr, il écrit. L'historien Bakri ibn Abdelrabah rapporte que c'est Abou Bakr lui-même qui avait planifié la solution finale. Il écrit: Ali Abbas était assis dans la maison de Fatima. Abou Bakr dit à Omar: Va et emmène-les ici. S'il refuse, tue-les. Omar emmena du feu pour brûler la maison. Fatima alayhi salam s'approcha de la porte et dit: Es-tu venu brûler notre maison sur moi et sur mes enfants? Il répondit: Par Allah, oui, je ferai jusqu'à qu'ils sortent dehors et prêtent allégeance au calife du prophète. Et d'ailleurs, Abou Bakr, il a reconnu sur son lit de mort: Je souhaite ne pas avoir cherché attaquer la maison de Fatima et ne pas avoir envoyé des hommes pour la harceler. Mais il y aurait eu une guerre si sa maison aurait continué à être utilisée comme abri. El Ashraf, volume 1, page 582, 586 à 586, Tarikh al-Yaqoubi, volume 2, page 115 à 116. La hawla la wa la quwwata illa billah wa al-ali wa al-azim. اللهم يا رب فاطمة اشفي صدر فاطمة بدور الحجة عليه السلام اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدور الحجة عليه السلام برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله